messieurs, je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre présence ici aujourd'hui afin de célébrer l'inauguration de l'hôtel Bay City de Tokyo. À partir de demain, les prestigieuses installations composant le complexe de l'hôtel Bay City seront ouvertes au public. Et cela comprend aussi bien l'espace des conventions internationales que le parc d'attractions. J'aimerais bien savoir où est passé Rio. Falcon est en retard, lui aussi. C'est bizarre, Falcon est pourtant très ponctuel d'habitude. Il ne serait pas encore dans une histoire un peu louche. C'est possible. Il vaudrait mieux que j'aille vérifier si ce fou furieux de Rio n'est pas encore en train de draguer une innocente dans le hall de l'hôtel. Si c'est le cas, je vais lui faire sa fête. Kaori, attends! L'ensemble du complexe Bay City est entièrement géré et contrôlé par un ordinateur central qui est situé dans le sous-sol de l'hôtel. Et cet ordinateur, de par son unique technologie avant-gardiste, fait de Bay City un parfait prototype de la ville du futur, connecté en permanence avec le reste du monde. Waouh, c'est fascinant. Cette brave Mickey a beau l'avoir invité si gentiment, à mon avis, Rio ne se montrera pas. Chia, pas ici. Pas là non plus. C'est curieux, il a dû tomber quelque part. Oh non, fermé aujourd'hui, il ne manquait plus que ça. Et Falcon qui n'est pas là non plus. Mais comment ai-je pu perdre le carton d'invitation que Kaori m'a donné? Je ne les retrouverai jamais. Mais il y a quelqu'un qui sait où se trouve la réception. Ah hein? Que vois-je? Non, attendez-moi, ma belle, voici vite. Voilà pour toi, sale pervers. C'est toujours pareil, quand je n'ai pas déjeuné, même les plans drague ne marchent pas. Parfait, je vous propose à tous de trinquer avec une journée d'avance sur l'inauguration de demain. Je vous suggère donc de vous diriger autour du buffet afin de célébrer cet événement. J'espère que le banquet sera à votre goût et je vous invite donc à vous servir et à vous amuser. Hé, Mickey, regarde un peu ça! Et si on commençait à manger maintenant? Je n'ai aucune envie d'attendre ces deux retardataires après tout. Tant pis pour eux. Excellente idée. Oh, ça m'a l'air délicieux tout ça. Oh, super, du champagne. Je lève mon verre à la prospérité du Bay City Hotel. Au Bay City! Au Bay City! Messieurs, l'entrée des fournisseurs se trouve à l'arrière. Vous ne pouvez absolument pas rester là. Arrêtez, qui êtes-vous? J'avais décidé de faire un régime, alors là, tant pis, c'est vraiment trop tentant. Rien que mes plats préférés, oh, c'est grandiose, quel festin, voyons un peu. Oh, oui, un petit homard mayonnaise. Kaori, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne veux pas dire, mais tout le monde te regarde, là. Mais où?
courez-vous donc comme ça, ravissante jeune fille? Je crois que c'est mon genre de chance. Alors si ça vous dit de sortir avec moi, beauté... Je suis pressée. Lâchez-moi, sale type. Hein? Mais que se passe-t-il? Vous êtes suivi? C'est donc ça, ne vous inquiétez pas. Je vais vous protéger... Garde tes distances, espèce de... Falcon! Je suis chargé de surveiller la demoiselle. Alors je te signale que c'est moi qui l'ai vue en premier, cette fille. Puis j'ai... Et attends, Falcon, alors comme ça, dès que Mickey a le dos tourné, tu en profites pour traquer à tout va. Lâche-moi. On le lâche toujours courir. Je te signale que je suis un type fier de moi. Alors fiche-moi la paix, c'est clair. Oui, Falcon, c'est très clair. Tu peux garder la fille. C'est pour toi, cadeau. Ah, non, pas ça. Non, pas ça, pitié! Mais attends, Falcon, ne pars pas si vite! Je te tiens, mais non. Si tu ne prends pas le chaton, il faudra aussi renoncer à la fille! T'es malade, laisse-moi finir mon boulot! Elle a fini, vite! Allez, pique-à-dents! Oh, espèce de brute! Falcon, attends-moi! Mais tu as perdu la tête ou quoi? Tu as arraché le siège de ma voiture! Ah oui? Et comment tu voulais que je rentre? Comment veux-tu que je conduise à présent, hein? Imbécile! Ralentis, c'est dangereux! Je te conseille de bien t'accrocher si tu veux rester en un seul morceau! Falcon, tu ne pourrais pas faire un tout petit effort tout de même? Ferme-la un peu, tu me déconcentres quand je conduis! Je te rappelle que c'est ma bagnole! Qui sont donc ces deux types qui nous suivent? Un dénommé Falcon et Ryo Saeba, ils sont tous deux détectives privés. Comment? Des professionnels? Sont-ils au courant de nos plans, Claudio? Non, notre plan est parfait, ne peut échouer. Si on parvient à se débarrasser d'eux, bien sûr. Bon sang! Mais qu'est-ce que vous attendez? Éliminez-les tout de suite! Soyez absolument sans crainte, mon général. Vos ordres vont être exécutés immédiatement. PCT! Ne me complique pas plus la vie! Arrête la voiture, je t'en supplie! Les poursuivants ont été éliminés. Bloquez l'accès au pont. Bien reçu. Oh mon Dieu, j'espère que ce pauvre Falcon s'en est sorti sans un souffle. Qu'est-ce qui lui a pris? Ce type est complètement crétin. Parfois, on n'a pas idée de risquer sa vie comme ça pour une femme. Hé, et si on arrêtait pour manger un bout? Ouais. Ici Zone F5, répondez. Ici Zone F5, répondez. Quel ennui ici, j'aurais préféré être le garde à l'hôtel, même si c'est plus dangereux. Merci pour le casse-croûte, les gars. Hé, il a volé nos sandwichs. Ils sont vraiment délicieux. J'écoute. Il y a un intrus en zone F. Comment ça, un intrus? De qui s'agit-il? Un type affamé qui se balade en volant nos sandwichs. Quoi? Imbécile, liquidez-le immédiatement. À vos ordres.
Ah, et maintenant, occupons-nous de la fille. Le voilà. Mais d'où ils sortent tous ces types? Mais tiens, on dirait que Falcon est encore en vie. Ici Zone F7, nous sommes attaqués par un intrus et un individu plutôt costaud. Gomez, nous avons des troubles faits. Débarrasse-toi d'eux. Exécution. À mon avis, les invités ont commencé à se rendre compte de quelque chose. Monsieur le directeur, je tenais à vous remercier de votre invitation. Oh, je vous en prie, le plaisir est pour moi, après tous les cafés que vous m'avez offerts. Mais dites-moi, je ne vois votre ami nulle part, il n'est pas encore arrivé? Eh bien, je ne comprends pas, il est pourtant très ponctuel d'habitude. Je pense qu'il a dû avoir un problème de dernière minute à régler. Ah, bravo, vos feux d'artifice sont magnifiques. Des feux de... Mais ce n'était pas prévu au programme. On a des intrus, vite, rétablissez le courant et allumez toutes les lumières. À vos ordres! Maintenant que j'ai récupéré mes forces après toutes ces aventures, je vais enfin pouvoir foncer au sec. Est-il possible que tu ne penses qu'à ça toute la journée? Bien sûr, et alors, où est le problème? Viens m'aider au lieu de raconter n'importe quoi. Si tu veux un coup de main, il faut d'abord me dire son nom. Ah, te dire son nom? Mais tu as réalisé dans quelle galère on est là? Falcon? Falcon, réponds si tu m'entends. De Seiko. Dis-moi, Falcon, tu t'es fait engager par Seiko? Boucle-la! Falcon, explique-moi ce qui se passe. Je veux un rapport sur la situation. Alors, à toi aussi, Seiko fait des propositions indécentes. La ferme! Oh. Ah. Salut, ma belle. Ça fait un bail, hein? Hein? C'est toi, Rio? Oh. Ah. Ici, oh. Falcon, rien à signaler. Terminé. Oh. La radio, donne-la-moi! J'ai autre chose à faire! Mais qu'est-ce que Rio fait là? Si ce ne sont pas des feux d'artifice, alors qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Je vais aller vérifier. Tous ceux qui essaient de résister seront exécutés sur le champ. Vous, mettez-vous sur le côté, plus vite que ça, compris? Maintenant, vous allez me dire qui vous êtes. Oh, mais voilà une petite dame qui me paraît bien téméraire. Les mains en l'air, sinon je vous transforme en passoire. À votre place, je m'abstiendrai. Si vous tentez quoi que ce soit, personne ne sortira d'ici vivant. Une jolie fille comme vous devrait pourtant connaître les bonnes manières en société. Et vous, qu'est-ce que vous décidez? C'est bon, je me rends aussi. Vas-y, dis-moi comment tu t'es fait épingler par Seiko. Allez, Falcon, raconte-moi tout dans les moindres détails. Non, mais je rêve. Espèce de vénard, tu ne vas quand même pas me dire que tu as eu la chance de la voir à poil. Oh, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de parler de moi. Ah, encore toi, non mais quel fléau! On verra bien ce qu'en pense Mickey. Cesse tout de suite ou bien je te fais taire pour toujours, tu m'entends? Si tu veux que je reste muet comme une carpe, donne-moi le nom de cette fille. Luna, elle s'appelle Luna, t'es content? Ah, elle s'appelle Luna, Luna, c'est un joli nom! Je t'aurais prévenu, Rio, ne t'approche pas de cette fille, c'est clair?
Ouais, eh ben ça, c'est moi que ça regarde. Luna, vas-y, sirène. Ton prince charmant arrive au galop. Reviens par ici, tu vas voir. Je vais te faire une deuxième paire de narines. Les dernières nouvelles d'Amérique du Sud à présent. Voici déjà 2 semaines que le général Gillian, dictateur de la République du Costero, a disparu sans laisser de traces suite à l'intervention des forces armées américaines chargées de mettre fin à la dictature. Les autorités américaines estiment que sa fuite confirme les soupçons selon lesquels le général aurait, durant les 5 dernières années de sa présidence, introduit près de 70 000 tonnes de stupéfiants aux États-Unis. Des sources officielles ont annoncé que le général Gillian serait en fuite à l'étranger. C'est tout. Eh bien, on dirait qu'il y a quelques problèmes. Rassurez-vous, ce ne sont que 2 marginaux qui traînent dans le parc. Ils ne vont pas mettre notre opération en danger, j'espère. Soyez sans crainte, mon général, je me charge personnellement de les éliminer. Quoi ? Ils ont des otages ? Oui, ce sont les personnes qui étaient invitées à la soirée d'inauguration de l'hôtel. Hélas, cela rend toute intervention particulièrement difficile dans ce cas. Je suis Norton, du Pentagone. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu quand vous avez su qu'il s'agissait d'un coup de Gillian ? Parce qu'ils ont pris des otages. Des otages, vous dites ? Je ne le dirai qu'une seule fois. On est au Japon. Et j'espère que vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour nous donner des conseils inutiles. Non. Tiens, comme c'est intéressant. Falcon, c'est pas possible. Oh, mais si, c'est tout à fait possible. Lorsqu'il y a des problèmes, Falcon et Saeba y sont systématiquement mêlés, vous le savez, n'est-ce pas ? Puisque vous êtes leur digne partenaire, mesdames. Dur à cuire, toi, hein ? Et toi, t'es du genre obstiné ? Oh non, elles ont pris les invités en otage. Mais qui sont ces militaires et où veulent-ils en venir ? Et en plus, je n'ai même pas réussi à retrouver Luna. Oh. Sort celui-là. Avec ses vêtements sales, il a pas l'air d'un invité. Ce doit être un de ces intrus qui ont foutu le bordel. Allez, toi, debout. Tout de suite. Ah,
savez-vous qui ils sont? Il semblerait que ce soit des soldats du général Gillian de la République du Costero. Ah, quoi, le général Gillian, le dictateur recherché par les autorités américaines? En effet, on dirait bien en tout cas. Je vois. Est-ce que par hasard vous savez si ces types ont kidnappé une fille qui s'appelle Luna? Eh bien ça, je l'ignore, malheureusement. Ce que je sais, c'est que ces ordures ont enlevé deux femmes et qu'il s'agit de Miki et de Kaori Makimura. Comment? Vous avez bien dit Miki et Kaori, ici, dans cet hôtel? Ah, malédiction, c'est donc ici la fête où elles m'ont dit que je pourrais m'empiffrer à volonté. Pardon? Une fête? Ouais, alors, tout est gratos ici? Eh bien, oui. Ah, oh non, il n'y a plus rien à manger. Bon, c'est injuste, mon dîner. À moins que... Oui! Tadam! Et maintenant, à table! Bravo, Kaori. Bon, ben, bon appétit, hein. Ah, c'est divin! Navré de vous interrompre durant votre repas, mais ça ne vous ennuie pas si nous nous enfuyons tous pendant que la voie est libre? Faites, mais vu que le pont de Bay City est entre les mains des terroristes, vous avez plutôt intérêt à trouver une bonne cachette sur cette île. Ah oui, je comprends. Il est occupé. Un message? Comment? Celui que tu cherches est hors service. Il ne risque pas de te répondre. Je m'adresse à Falcon, n'est-ce pas? Ça tombe bien. J'ai quelqu'un ici qui voudrait te parler. Hein? Falcon? Falcon, ne crains rien, je vais bien. Fais ce que tu as à faire. J'espère que la transmission est audible. La jeune fille se prépare à mourir avec beaucoup de courage. Je me trouve dans la chambre 3508. Si tu tiens à retrouver ton ami en un seul morceau, je te conseille de rappliquer ici en moins de 10 minutes, une seule seconde de retard, et elle valsera à coup d'explosif. Tu as capté le message? Reçu. Vengeance. L-O-K-L-V-A. Alpha, Québec, Sierra, Romeo, Delta, X-Ray. Charlie Mike, Charlie Golf. Vous aussi, vous faites partie de la bande? N'est-ce pas, Luna Gillian? Oh, mais qu'est-ce que... Puisque vous vous obstinez à rester là sans rien faire, nous avons décidé de passer à l'action. Vous n'avez donc rien compris à la situation? Comment osent-ils? Ils sont particulièrement bien armés, cela ne fait aucun doute maintenant. Eh bien, je vais vous dire, moi. Nous leur enverrons des blindés et des chasseurs. Le ministère de la Défense prendra ça en charge. Je propose d'attendre que la situation évolue d'elle-même. Qu'entendez-vous par là? Nous devons attendre pour l'instant. Nous n'avons pas le choix. Dites-moi ce que le général est en train de mijoter. Papa veut lancer des représailles contre l'Amérique. Quel genre de représailles? Pourquoi? Les troupes américaines ont envahi mon pays. Ils nous ont obligés à prendre la fuite. Mais toi, tu es venu jusqu'ici pour moi, pour me suivre, n'est-ce pas? Si seulement un homme comme toi, quelqu'un d'aussi fort et d'aussi courageux, se rangeait aux côtés de mon père, je suis certaine que ses projets ne rencontreraient plus d'obstacles.
Où sont enfermés mes amis, Luna? Dans une minute ou deux, tout au plus, l'une d'elles volera en éclats. Quoi? Où était? Au 35e étage. Ah. C'est l'ascenseur de service qui mène sur le toit, et à mon avis, vous n'arriverez pas à temps. Vous ne parviendrez pas à faire échouer le plan de mon père. Je n'en sais rien, il n'y a que moi ici. Comment? Non, n'y touche surtout pas, regarde là. Mickey! Non, n'ouvre pas, sinon tout va sauter. Je vais défoncer le mur à côté de la porte. Attention! Je souhaiterais avoir une bonne explication, mademoiselle Nogami. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis absolument certaine que la situation est en train d'évoluer très rapidement. C'est quoi cette réponse à la noix? Vous croyez sans doute que mon gouvernement se contentera de m'entendre rapporter vos intuitions grotesques? Si vous êtes tellement inquiet, pourquoi ne faites-vous pas quelque chose qui puisse jouer en notre faveur, comme par exemple bloquer le système de sécurité du Pentagone? Vous êtes folle! Je ne saurais jamais faire ça. Je n'y suis pas habilité. Alors il ne nous reste plus qu'à espérer. Nous avons une chance sur 1000 de réussir. Une chance sur 1000, c'est de la folie. Foxtrot, Kilo, Sierra, Victor, Echo, Hôtel, Papa. Luna, c'est encore long. Sois tranquille, Papa. Encore 3 initiales et j'aurai enfin pénétré leur système de défense stratégique. Allez, patience. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous avez pensé aux conséquences de vos actes? Ce sera l'enfer sur Terre! Le diable, personne viendra vous arracher la langue! Oui, c'est moi qui arracherai la tienne si tu ne la boucles pas immédiatement. Ce salopard essaye de pénétrer le système de défense stratégique du Pentagone. Et pour ça, ils utilisent les superordinateurs installés dans cet hôtel. Et je parie que notre amie Luna est une experte en informatique, pas vrai? Et toi, dis-moi, c'est quoi ton domaine d'expertise? Moi? C'est le sexe, pardi, mais je suis innocent. Juliette, Oscar, X-Ray, Yankee, Zulu. J'ai réussi à entrer. Maintenant, il n'y a plus qu'à modifier les objectifs à détruire. Excellent travail, Luna. À présent, ces maudits Américains ont sans le savoir leur propre missile pointé au-dessus de leur petite tête. Ha 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 ha!
cette fois, je garantis qu'ils vont retenir la leçon. Ces satanés envahisseurs vont goûter à la colère et à la vengeance d'un grand chef. La ce type est un vrai fou allié. On risque de mettre la vie du Carly en danger de cette façon. Voyons, viens avec moi, vite. Vas-y, Kaori est prisonnière dans la salle informatique. Je file. Quelques instants, encore quelques instants seulement, et mon ultime vengeance sera accomplie. Au moment de l'ordre de lancement et du compte à rebours, tous nos hommes évacueront l'hôtel et celui-ci sera détruit par une gigantesque explosion. Vous allez détruire l'hôtel ? C'est exact. Et ce afin d'effacer la moindre preuve, ma chère. Mais c'est absurde. La moindre preuve, disais-je. Votre tâche est désormais accomplie, Major Claudio. Mais enfin, Général, pourquoi ? Pour éviter qu'on nous arrête et qu'on nous juge, j'ai décidé que la meilleure solution était de mourir ici, avec tous nos soldats, une fois achevée notre mission de représailles. Vous voulez vraiment nous laisser tous mourir dans l'explosion ? Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous laisser mourir seul ? Arrêtez ! Papa ? Ça y est, j'ai programmé les lancements. Très bien, procède à la phase finale, Luna. Ça suffit, Luna, ne faites pas ça, je vous en supplie. L'affaire. Vous ne vous rendez pas compte de la folie que vous allez commettre. Adios, America. Ne touchez pas ce clavier, vous m'entendez ? Luna, jamais je ne vous aurais cru capable d'une chose pareille. Tout va bien, Kaori ? Oui. Merci pour les plats cachés sous la table. C'était très sympa. Hein ? Pourquoi vous riez, vous ? Si j'appuie sur le bouton de ce boîtier, toutes les bombes qui ont été installées dans l'hôtel exploseront simultanément. Luna, presque accompli notre vengeance. Non, Luna, si vous faites ça, vous mourrez vous aussi avec nous. Allez-y, tirez si vous en êtes capable. Je ne crois pas que vous oseriez tuer une femme. Petite frappe de donner le coup de grâce. Mais au vrai pro, à moi la vedette, alors ôte-toi de mon chemin. Hé, monsieur Superstar, je te rappelle que c'est à toi que nous devons tout ce bordel depuis le début. Est-ce que vous le prenez comme ça ? Je vous invite tous à aller régler vos comptes en enfer. Non, restons pas ici. Que se passe-t-il ? L'hôtel Bay City, mais que diable s'y passe-t-il ? Il explose ! Évacuation des...
dites, monsieur Norton, après avoir pris en charge une affaire pareille, je crois que vous allez prendre du galon rapidement, et pas qu'un peu, à mon avis. Ah, ça, en effet, on peut dire que ma carrière a rarement connu un matin aussi radieux que celui-ci. Il semblerait que Rio et toute sa bande soient sains et saufs. Mademoiselle Nogami, je ne sais pas comment vous avez pu accomplir un tel miracle. Je suis stupéfait. Comment puis-je vous remercier? Oh, monsieur Norton, c'est tout naturel. Il suffira que vous assumiez les frais des dégâts de l'hôtel Bay City. Hein? Comment? Vous voulez dire qu'on va vraiment devoir payer pour toute cette catastrophe? Je me demande qui a dit tout à l'heure que votre ministère prendrait tout en charge. C'est bien vous, il me semble, non? Oh. Oh non, pas ça. Ils vont me licencier. Adieu, promotion. Adieu, ma retraite. Dis-moi franchement, Rio, si Falcon n'était pas arrivé au dernier moment, est-ce que tu aurais eu le courage de tirer sur Luna? Je ne sais pas. Falcon, j'ai quelque chose à te demander. Hein? Qu'y a-t-il? Ça écoute une véritable profiteuse par cette manœuvre. Elle a déchargé sur toi tout le sale boulot et en fin de compte, elle m'a fait travailler gratuitement par la même occasion. Elle a fini par te coincer toi aussi. C'est vraiment scandaleux ce dont la police est capable, tu ne trouves pas? Allez, avoue, ça écoute à montrer sa poitrine, pas vrai? Écoute-moi bien, mec. J'ai rien vu, tu entends? Absolument rien! Je t'écoute, raconte-moi l'histoire dans les moindres détails. En fait, ça s'est passé il y a seulement 2 jours. Saeko a dit qu'elle devait à tout prix me parler, et elle m'a donné rendez-vous au bord de la piscine d'un hôtel. Bon, de quoi s'agit-il, Saeko? Je n'ai pas de temps à perdre. De quoi est-ce que tu parles? Je ne me souviens pas de t'avoir appelé. Quoi? Et attends une minute. Ah! Mais lâche-moi! Non, je jure que... Tu regardes quoi, là? Rien du tout. C'est ça, espèce de menteur. Tu es tout rouge. Moi, rouge? Je suis devenu tout rouge? Mais non! Ok, si tu me rends un petit service, j'envisagerai de te pardonner. Juste un petit boulot au fond, 3 fois rien. Il ne s'agit que de récupérer une gamine. Cette fille est rusée comme un renard. Elle est parvenue à me faire marcher depuis le début. Tu te rends compte? Ouais, classique de la part de Saeko. Allez, ne t'en fais pas, mon vieux. Je ne dirai rien à Mickey. Je te remercie. Pas de quoi, je t'en prie. Après tout, nous sommes bons amis, c'est normal. Mickey! Hein? Mickey, écoute ça, tu connais la dernière, il paraît que Falcon a ploté les nichons de Saeko. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah! Espèce de traître! Ah, mais non, imbécile, je plaisantais! Au secours! Ah!